Bacon, sausage, mushroom, les champignons, quoi. Et some eggs, des œufs. Alors, c'est vraiment, je vais pas dire pitoyable, mais c'est vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Les œufs ont l'aspect des faux œufs qu'on voit sur internet. La couleur orange, le goût ne ressemble pas, enfin c'est pas du tout les œufs. Donc ça a quand même encore une odeur de, enfin du frais, c'est pas bon, c'est pas épicé, c'est pas du tout salé. J'aime pas le sel en général, mais y a pas du tout, pas d'épices, c'est pas du tout, voilà, c'est fade, c'est pas bon. Alors le petit déjeuner des Anglais ou British ou écossais, pas terrible, hein. Pas terrible. On verra bien au dîner. Ah oui, alors j'allais oublier, alors on a payé pour les deux plats, ont coûté 25 pounds, dans l'équivalent d'une trentaine d'euros, alors c'est quand même assez cher pour ce qu'on a. Et surtout que c'est pas bon. Pas bon, pas terrible. J'aime pas. Bon, alors je reviens au petit déjeuner. British breakfast. Alors là, c'est vraiment pas terrible parce que là, on a du mal à finir nos plats, à terminer le saumon en lui-même. J'ai dû demander du citron. J'ai dû demander du citron pour ajuster à mon saumon qui est pratiquement immangeable. Mais j'ai goûté, c'est pas. Alors il y a eu, je suis pas très contente parce qu'au début on a demandé des toasts qui allaient. Ils nous ont ramené deux toasts, des croissants, ils nous ont dit qu'il n'y en avait pas. Mais entre autres, on voit qu'il y en a et j'ai dû gueuler pour qu'ils nous ramènent des croissants au moins. Parce qu'il nous a dit qu'il n'y avait pas de croissants, mais entre autres, ils ont servi des croissants. Autant j'ai vu passer le serveur qui avait des croissants pour d'autres clients et j'ai demandé pourquoi. On a demandé des croissants et on n'en a pas eu. Et il dit non, comme quoi il n'avait pas bien compris qu'il était désolé, donc il nous a ramené des croissants. Alors, pour finir. Le déjeuner, parce que comment on peut manger les œufs brouillés, du saumon sans les toasts, sans du pain ou les croissants qu'on a demandé pour prendre des croissants avec du chocolat. C'est vrai qu'on est chez les Anglais, mais il y avait ça sur la carte, alors en principe vous devez l'avoir. Bref, je suis pas content, je reviendrai plus jamais au Ipex Hotels in Dundee. Vraiment pas terrible. Bon, les chambres sont pas mal, tout l'hôtel en lui-même, ça va, c'est assez clean, propre, mais le déjeuner, le repas, non, c'est vraiment pas. Je suis désolée, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Alors les croissants arrivent à la dernière minute où j'ai plus vraiment faim. Je disais, voilà, le saumon fumé qui est là, mais j'ai dû demander du citron. Alors ça part, même avec le citron, ça pas de goût, c'est pas bon, c'est pas bon. Je reviendrai plus, non.
un petit tour de la chambre. Les chambres sont assez sympas. Mais au début, j'ai eu un peu froid. Et je viens de régler la température pour que ça chauffe un peu plus. Donc, les chambres sont plutôt pas mal. Hein. Assez petites, mais ils nous ont fait comprendre qu'il y a des plus grandes chambres qui coûtent un peu plus cher. Celle-ci, elle est à 100... Combien elle fait ? 119 pounds. Ça fait combien en euros à peu près là ? Hein ? Ouais, à peu près 125-130 euros la nuit. Donc c'est... Je trouve que oui, c'est un petit peu cher. C'est cher. Oui, c'est cher. Mais bon, ça va. Alors, comme je vous disais tantôt, le déjeuner voilà, n'a pas été terrible. Hein. Tout ce qu'ils ont, les plats, la bouffe, c'est pas terrible du tout. Mais il y a quand même une salle de sport, de spa, où on peut voilà, faire des exercices physiques et tout ça, c'est pas mal. Donc, c'est inclus dans le prix du séjour. Enfin, donc, c'est free, c'est gratuit. On a droit au spa et à la salle de gym, hein, c'est gratuit. À part les soins de visage, les soins de corps en plus, ils sont payants. Le spa, j'irai au spa. Je vais me consoler avec le spa et la salle de sport, la salle de gym. Voilà les amis pour aujourd'hui. Yeah.